Avez-vous vu ce qu'il a fait, mes frères et sœurs? Ça m'étonne. Bonjour, 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 bonjour. Et bienvenue sur Troubable, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas abonnés, en dessous, ça veut dire tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Mon désir pour vous, mes frères et sœurs, je vais vous dire. Ayez tout ce que Dieu veut que vous ayez de votre vie. Ne manquez de rien. Si c'est l'argent, que Dieu vous donne l'argent aujourd'hui, même en abondance. Si c'est la parole de Dieu qu'il vous faut, que Dieu vous donne la parole de Dieu en abondance. En tout cas, ayez au moins le juste nécessaire. Ça, c'est vraiment très important. Ah! Ce que nous allons voir ici, franchement, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Une famille va perdre quelqu'un. Et cette famille va décider de mettre cette personne à la morgue. Quand le temps serait venu pour enterrer cette personne, un problème va arriver à cause de 5500 francs. Les gens de la morgue vont faire un truc. Franchement, si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Si vous avez peur des choses comme les cadavres, les cercueils et tout ce genre de choses, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Oui, hein? Vous me prévenez que guérir. Bon, alors studio, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ok, 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 c'est parti, c'est parti. Soyez prêts, soyez prêts. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Nous sommes sérieux. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Ah! Comment vous pouvez faire tout pareil? Bon, regardez ça. Quand vous ne voyez pas de la blague, il y a un monde hors du commun ici. Une foule incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qui est incroyable et qu'est-ce qui est vrai? C'est ce que vous voyez juste là au milieu. Ah! Voici les gens qui sont juste là. Ce sont les gens de la morgue. Ils ont tout simplement pris le cercueil. Ils ont commencé à remettre le corps dans son sachet. Juste parce que les parents n'ont pas encore fini de les payer. N'ont pas encore de restituer leur argent. Comment pas arriver jusqu'à ce point-là? Ah, juste à cause de l'argent quand même. Quand même, ou bien, quand même, hein. Mais pourquoi est-ce que dans la foule ici, là, personne ne s'est levé pour lui donner les 5500 francs quand même? D'après l'information, c'est à cause de 5500 francs qu'il y a ce cafouillage là, ce problème. Maintenant, vous pouvez penser que c'est de la blague et que ce sont les histoires et que nous sommes même en train de vous raconter les histoires. Mais vous serez surpris parce que nous allons vous montrer maintenant. Est-ce que vous avez même chaud à voir ça? Est-ce que vous êtes même prêt? Si vous avez peur des cercueils, des cadavres, regardez la vidéo suivante. De toute façon, il n'y aura pas de cadavres ici. Il ne va pas vous montrer des cadavres. S'il y avait un cadavre, je ne vous montrerai jamais ça. Parce que ce n'est pas du tout joli, joli. Bon, regardez ça. Regardez ça. Ici, comme vous pouvez le voir même à distance, on voit des gens qui sont juste là. Et ces personnes-là regardent un phénomène hors du commun. Et comme vous savez, les gens ont des portables. Tout ce qu'ils voient, ils filment. Ils voient des animaux qui sont de ce possible, ils filment. Ils voient quelqu'un en train de manger du cabato, de la tchéquée, du garba, ils filment tout. Maintenant, regardez ça. Et regardez ce que ça donne. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait su. Que va-t-il se passer ici? Regardez très bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Regardez ça. Ce gars-là, même, il a son portable. Et lui, il est en train de filmer juste là, comme ça. Il filme tout. Là, vous le voyez, c'est pas de la blague. Il n'a pas reçu leur argent. Ils ont arrêté le cercueil. Voilà. Et les gens de la morgue ont décidé de remettre le corps de Misashi. Ils ont non, mon Dieu. Hé! Hey! Quoi, il y a un petit frère qui est pareil. Donc là, ils ont remis le corps de Misashi et ils vont avec le corps. Ils s'en vont et ils retournent avec le corps à la morgue. Juste comme ça, à cause de 5500 francs. Mon Dieu. L'argent. Même à l'hôpital, quand tu n'as pas d'argent aujourd'hui, on ne peut pas te soigner. C'est une personne qui meurt à cause de manque de moyens. Ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que Dieu vous donne au moins le juste nécessaire. Que Dieu vous aide à vous en sortir de la vie. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. À leur place, que feriez-vous? À la place de ces gens de la morgue-là, que feriez-vous?
À la place de cette famille, que feriez-vous? Maintenant, il y a une question que moi je me pose. Pourquoi tout ce monde qui est là, y compris ceux qui sont des filmés là, n'ont-ils pas eu l'idée de se cotiser pour donner 5500 francs là pour qu'on ne puisse pas enlever le corps là du cercueil? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Aïe, 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 aïe. Les gens sont insensibles quand même. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Si ça n'avait pas été filmé, personne ici ne l'aurait cru. Malheureusement, c'est la triste réalité de la vie. Apprenons à aimer l'être humain plus que de l'argent. 5500 francs, c'est vrai, peut-être c'est significatif pour eux, mais quand même, nous devons vraiment aimer l'être humain. Même à l'hôpital, vous soignez quelqu'un, on dit tant qu'il n'y a pas d'argent, tu vas mourir ici. Ou bien quand tu n'as pas d'argent, ils disent à tes parents, oh, ils vont t'enlever de leur clinique ou bien de l'hôpital. Parce que tu n'as pas d'argent, si tu ne payes pas, on ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce que l'État peut faire pour ce genre de problème-là? Je pense que c'est maintenant que l'État doit trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir au moins ce qu'il nous faut. Parce que la vie n'a pas de prix, hein. La vie n'a pas de prix quand même. Que Dieu nous aide à pouvoir trouver une solution pour prévenir tous ces histoires, tous ces genres de problèmes. Parce que ça, vraiment, ce n'est pas beau à voir. Comme vous le voyez, c'est pas de la base, pas de la film. C'est une chose qui s'est bien produite et c'est extraordinaire. Une autre vidéo va suivre. Abonnez-vous, partagez la vidéo et je veux beaucoup de réactions. Je veux voir ce que vous feriez à leur place, à la place de cette famille-là. Que feriez-vous? À la part de ces gens qui sont là, que feriez-vous? Allez-vous venir donner cet argent même plus pour qu'on laisse le corps dans là où on laisse cette famille entrer le corps? Que feriez-vous? J'aimerais vraiment bien savoir cela. Franchement, l'être humain devient bizarre, insensible, tout ce que vous voulez. Ah! Même les poissons dans l'eau, ils sont gentils. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi-même, j'étais même là-bas, même. J'allais même donner l'argent. Même. Oui, j'allais même donner l'argent. Et puis, voir enterrer le corps. Peut-être même après, la femme va me rembourser. Sinon, il laisse moi à Dieu. De la vie, souvent, il faut laisser pour ça, pour toi à Dieu. Hein. On ne sait jamais. Souvent, pour donner sans rien attendre en retour. Dans ce genre de situation, au lieu de prendre vos caméras, pour venir filmer. Filmer là. Cotisez-vous, ayez l'idée de vous cotiser. Et puis donner l'argent là rapidement. Ah, si la famille n'a pas pu donner cet argent, les 5500, c'est peut-être que cette famille a travaillé des difficultés. Vous pouvez venir en aide. Ah, parfois même le cadavre, même le corps est plus cher même que la personne même vivante. Alors, quand la personne est vivante, hein, les gens ont l'impression que elle n'est pas importante. Mais quand cette personne a 17, c'est là maintenant. Et le prix augmente. C'est vrai ce qu'on voit souvent. Pourquoi c'est comme ça même? Demande à ton ami qui a goûté, mais pourquoi c'est comme ça même? Demande à ton soeur qui a goûté, mais pourquoi c'est comme ça même? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bon, ok, après ceci. La prochaine vidéo arrive. Dans la prochaine vidéo, aïe 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 aïe, vous allez voir. Cette vidéo, dès qu'elle sera disponible, elle apparaîtra ici. Dans la prochaine vidéo, un homme, il va voyager, aller travailler dur en Europe. Et vont mettre de l'argent dans sa famille pour qu'on puisse juste lui construire quelque chose, bien réaliser quelque chose. Mais quand il va revenir, il va s'avérer que quelque chose d'étrange dans ce produit. Ça va tout de suite le mettre en colère. Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Soyez prêts, ça va être chaud. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et cliquez sur ce bouton, ça va pas d'accueil en même temps. Abonnez-vous sur notre 3 de chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche là-bas. Parce que les vidéos qu'on vient sur notre 3 de chaîne après, ha! C'est pas du chaud. Let's go! Préparez-vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti!